Gros escroquerie pété, mesdames, messieurs, entre l'ancien premier ministre Claude Joseph et mesdames, messieurs, le président Luis Abinader de la République dominicaine. Mesdames, messieurs, bagala tellement compliqué dans mitan messieurs Sayo, faut à dire c'est à lait à citron, pour ne pas dire de chat à crate, mesdames, messieurs. Après, monsieur Claude Joseph t'a décidé, à travers formation, mais forum que t'a réalisé dans un hôtel dans le pays d'Haïti, surtout à Port-au-Prince, côté te gen des milliers de jeunes qui étaient présents, monsieur ça te gon discours tout à fait acerbe, un discours tout à fait caustique. Mesdames messieurs qui étaient tourmenté le cabinet de monsieur Abinader. Mes frères et sœurs amis, n'ayez tellement te chanté comme qualité, eh bien mesdames messieurs, ça vient permettre que le président Luis Abinader prend une décision là. Cette décision ça qu'après le bail Claude Joseph problème. Bien que au départ m'a dit nous monsieur rejeté, mesdames, messieurs, et monsieur rejeté question, question ça, qui a rapport, mesdames, messieurs, avec, ça, Luis Abinader, et monsieur considéré comme une victoire. Mes frères et sœurs et amis, dans l'émission ça, on va expliquer au détail qui s'est passé dans le temps, monsieur, yo, puisque, mesdames, messieurs, Abinader décidé, sortir, mettez une liste dehors là, liste, mesdames, messieurs, pour expliquer, donc, le président, ou bien l'ancien premier ministre, désolé, Claude Joseph, pas capiller territoire par là, mesdames, messieurs. Et donc, bagay ça qui baille Claude Joseph, qui baille équipe de Claude Joseph, en pile, petit problème, puisque, mesdames, messieurs, Claude Joseph a dit lui-même, il n'y a pas de problème, avec sa Rivea, donc, mais plutôt, il considère comme un pouvoir, mais équipe Claude Joseph, mesdames, messieurs, considérer son problème, puisqu'il s'est arrivé. Majorité rencontre Claude Joseph qu'on a le fait, et surtout, je qu'on a le fait en pile rencontre derrière. Donc, dans l'objectif, ça, Claude Joseph est obligé de faire de gros mouvements. Donc, je vais expliquer nous quelques détails, je vais nous un paquet de détails, gagner Lisa qui prend la rue. Donc, je vais le bon détail de lui-même. Mais au départ m'a dit nous c'est une honte pour la République dominicaine qui normalement qui pas monté voie diplomatique réelle là puisque mesdames messieurs on ne peut pas ignorer les discours faits par des personnes qui ont été au pouvoir qui constatent mesdames messieurs même Jacques tout haïtien qui s'est passé haïtien à un moment même n'a pas lié à là. Il y a 12 lots haïtiens ou l'autre monde qui accompagnent Claude Joseph selon information que nous gagnons, mesdames, messieurs. Donc, Claude Joseph, tellement. Et ce petit bagage a compliqué, et bien, obligé, normalement, camper en zone plaidine, camper très dur, très laide, en face, monsieur tout. Et monsieur déclaré, c'est jusqu'au bout, bagage là, pral sorti. Mesdames, messieurs, mercredi 7 septembre de la soirée. Président Abinader, mesdames, messieurs, dans une communication, dans une note que monsieur mettait d'ailleurs, monsieur adressé avec directeur général de immigration, dans le cadre de l'application de l'article 15 dans la loi 285-04 de immigration et des règlements d'application, mesdames, messieurs, qui empêchait entrer, mesdames, messieurs, sous territoire national là, des étrangers, mesdames, messieurs, qui ont et qui ont casier judiciaire, ou bien, mesdames, messieurs, qui ont avis des autorités compétentes. Donc, qui s'arrivait ça qui vient à quoi, mesdames, messieurs, à menace ou bien sécurité nationale, eh bien, mesdames, messieurs, il y a un intérêt pour la République dominicaine, il y a ordonné interdiction, mesdames, messieurs, Mounsayo ou plusieurs personnalités pour entrer sous territoire ou bien territoire dominicain et surtout ancien premier ministre A.I. Claude Joseph ainsi que mesdames messieurs de 12 chefs de gang en Haïti. Donc à Luis Abinader, président constitutionnel de la République dominicaine, en vertu du pouvoir qui me sont conférés par l'article 128 de la Constitution de la République dominicaine, émet l'instruction suivante. Demande à empêcher l'entrée sur le territoire national de Claude Joseph Jimmy Cherizier, alias Barbecue, chef gang de la
Collation G9. Également, mesdames, messieurs, Innocent Vitellhomme, alias Vitellhomme, chef du gang de Torcel, Destina Renal, alias Tilapi, et chef du gang Grand Ravine, Wilson Joseph, alias Lan Morsanjou, chef gang de 400 Marozo, Claude Célestin, alias Chien Méchant, chef du gang Chien Méchant, Kafour Tabar, Alexandre Ezekiel, alias Z, chef de gang Baz Pilate, Camp Sanon, chef de gang Baz Belé, Chéri Christoa, alias Chrisla, et fils Monel, alias Mikanon, chef de base Roi Jérémy, Jean-Pierre Gabriel, alias T. Gabriel, chef de collation GPEP, et Alexis Serge, Renel, alias T. Junior, et Orlichen Emile, alias Pellembré, chef de base Delma, mesdames, messieurs. N'a brablo que, non ça, on se cite, là, c'est de non que, monsieur Binader, monsieur décidé, mesdames, messieurs, citer non mounzaïo pour interdire entre la République dominicaine. N'a pas rappelé tout. Ancien premier ministre Claude Joseph, mesdames, messieurs, qui était vraiment critique par rapport au gouvernement dominicain et autorité haïtienne, eh bien, mesdames, messieurs, en juin dernier, était qualifié président Abinadel hypocrite. Après que la République dominicaine, mesdames, messieurs, pas accepté de régulariser haïtiens en situation migratoire irrégulière qui vivant qui a fonctionné disons sur territoire République dominicaine. Bagay ça a été affirmé mesdames messieurs sous Kotwi Deli, eh bien président dominicain tout était décidé malgré tout et répondre monsieur. Et c'est un homme qui ne tient pas sa promesse. Un tweet de mesdames messieurs de Claude Joseph au niveau national sur les nombreuses questions. Mais croit qu'il peut utiliser Haïti comme son dernier recours pour se plier aux ultranationalistes de son pays et gagner des votes. Moi dit son problème lié mesdames messieurs pour la République dominicaine. 12 chefs de gang accompagnés de non seulement Claude Joseph. Et m'a dit que là, logiquement, ça devint un conflit diplomatique. Yon conflit, côté que nous a dit, c'est le conflit diplomatique haïtiano-dominicaine. PM Ariel Henry, mesdames, messieurs, et président Luis Abinadel, Negyo te parlé dans téléphone. Premier ministre Ariel Henry lui-même mesdames messieurs et président Abinadel Negyo te décidé font y parler pour connaître comment on va le camper parce que baka la onti gens mélangé dans même. Pas oublier la personne a surmonté la pente. Ce n'est pas n'importe quelle personne, c'est donc Claude Joseph, un ancien premier ministre et il est également on n'est qui pas échoué dans la diplomatie. On dit son nèg qui, logiquement, avançait dans la diplomatie, qui fait de bons bagailles. Monsieur Kage tout défaut, mais c'est pas un mauvais ministre des Affaires étrangères. C'est quelqu'un, et son jeune, qui a des capacités, qui croit que monsieur avancé, monsieur fait de mouvements, et ceci, monsieur qui est tempérament pâle, peut-être, qui n'est pas obligé de faire tout le monde plaisir. Même monsieur qui est tempérament pâle, monsieur qui est face au pâle que le campé, monsieur avancé, j'ai le droit campé. Eh bien, madame, monsieur, dans le règlement diplomatique ou bien dans la relation diplomatique pays d'Haïti et avec la République dominicaine, parce que, vle ou pas, il y a des relations. En 2001, côté, tu as gagné, madame, monsieur, un pacte qui était signé entre la République dominicaine, côté que, il a protégé une autre et par rapport avec une évasion. Banditisme. Ça veut dire, si États-Unis et si Haïti, mon Dominique, si son gang là, il sauve le guet entre Haïti, donc, a gagné un mouvement pour être capable d'arrêter le voyage. Mais premier bagage, il n'y a pas de demande d'asile entre
Haïti et la République dominicaine en ce sens. Donc, ça vient poser problème. Et maintenant, il était décidé à pas avancer. Luis Abinader, lui-même, il monte là, il s'est changé toute bagaille, parce que c'est un raciste. Monsieur Pavlé ou un noir. Monsieur pas dans noir du tout. Monsieur Pavlé, chambre mais noir. Et ça fait, moi-même, c'est pour ça, je suis campé dans le dos Claude Joseph. Trop mauvais traitement de la part des Dominicains envers les Haïtiens. Nous sommes très nombreux également, mais nous utiles. Et selon ça que nous obtenons, nous obtenons une réaction ONU. Nous obtenons une réaction ONU. Et nous obtenons une réaction plusieurs autres pays. Et Claude Joseph qui répond à Abinader là, réponse monsieur a encore son belle réponse diplomatique. Il salue ça comme un honneur parce que lui pas qu'a fait une République dominicaine parce qu'il pas jouer la République dominicaine mais déformer des efforts. Par exemple, mesdames, messieurs, il y a des médias en République dominicaine qui posaient quelques questions qui dit qui sac la cause monsieur prend décision ça et pour qui ça monsieur ajouté non PM non mesdames, messieurs, non mi-temps chef de gang ça ou 12 chefs de gang sauf monsieur pas chef de gang. C'est encore un moyen pour montrer monsieur, ils sont égocentriques et sont superstitieux. J'espère que voie diplomatique là pour permettre que bagaille change. Mais entre-temps, si le gouvernement haïtien a décidé de faire bagaille, pas de monsieur campé comme ça, c'est pour être bloqué frontière là. Aucun produit va rentrer sur le territoire national. En tout cas, c'est une honte pour la République dominicaine. Dans le calendrier électoral haïtien, qui réaction nous vient face à la préoccupation de la communauté internationale sous affaire référendum? Merci Amélie. Alors, qui te me dit d'abord que un référendum, c'est un acte de souveraineté. Il est essentiellement concerné. Nous sommes capables de dire les Haïtiens, n'est-ce pas? Et c'est eux-mêmes qui vont décider si oui ou non, est-ce que vous voulez un référendum pour changer la constitution. Fort heureusement, il y a trois sondages qui sont réalisés par deux firmes différentes. Yon Sebrid, qui ont expertise dans la question de réaliser le sondage, a réalisé deux sondages. Et résultat, deux sondages à eux, yo dit clair que plus que 85% population voulait une autre constitution. Il y a pile l'autre thématique que yo abordé effectivement mais qui était moins dit ça et deux sondages ça yo dit. Maintenant on l'autre sondage qui est réalisé par faut me dire que dans deux premiers sondages c'est des échantillons aléatoires, c'est-à-dire que à plus que et puis taille échantillon était vraiment grand pour spécialistes. Maintenant, un deuxième sondage qui est réalisé par une organisation anti-gouvernementale qui est le Haïti Nouvelle. Sondage ça a tout dit que 87% population les voulait ont l'autre constitution. Donc, c'est population qui demande ont l'autre constitution. C'est pas gouvernement et inquiétude qui exprimée de la part de nos amis de la communauté internationale gagne là-dedans qui très est fondée ou légitime. C'est peut-être ça. Nous-mêmes, dans le gouvernement, et nous demandons pour le comité consultatif indépendant à l'écoute de préoccupations de la communauté internationale là, et comment pour nous adresser. Effectivement, un référendum doit un processus qui est inclusif. C'est peut-être ça, encore l'autre fois. Le président l'a initié, ça fait un bon bout de temps, processus dialogue là. Dialogue là pour permettre que le gouvernement qui parle gagner hein, avec en tête li un premier ministre définitif pour le cas assurer continuité de l'état particulièrement dans deux grands chantiers ça yo référendum constitutionnel et élection. Merci Hervé Noël m'a travaillé pour Radio Télé Kiskeya et merci pour le ministre. Donc question là c'est il y a rapport avec annonce gouvernement fait la planifier question et dialogue avec classe politique là mais nous parallèlement le gouvernement a annoncé qu'en pile dans le monde qui a fait kidnapping ou bien kidnapping dans
motivés politiquement et nous dit clairement c'est des monde qui parlent que gouvernement que président Jovenel Moïse fini mandat et parallèlement nous annoncer c'est avec même monde ça on a fait dialogue mais que retirer un petit peu contradiction ça dans tête moi et pas nous plus explication en ce qui concerne et comment nous pouvons amorcer dialogue ça parallèlement et que il y a des même acteurs ça nous identifier qui parlent Jovenel Moïse continuer mandat parlent et a politiquement motivé question kidnapping. La deuxième question c'est pour le directeur général de la police là. En ce qui concerne et préoccupation plusieurs monde qui en concerne et la police qui a les policiers qui a impliqué dans la question de kidnapping et hier un incident qui passé là l'une où est que et agent Boy a tiré sous main et fait assassiner deux citoyens disons deux motocyclistes. Même que le directeur général de la police là, est-ce que le pas préoccupé par rapport avec toutes annonces, toutes nouvelles qui a dit que y a des policiers qui ont clairement identifié qui est impliqué dans la question de kidnapping? Merci. Bon, merci. Écoutez, moi je pense que gagner des nuances et que nous devons clarifier dans la déclaration et président. Sous question motivation politique qui gagne dans le kidnapping. Je ne sais pas quoi que les gens qui ne connaissent que, eh bien, un bon matin, gagne une série de gens qui ont kidnappé, qui n'ont pas aucun intérêt là-dedans pour kidnapper. Seulement intérêt qui gagne, c'est pour faire secteur ça, lui-même, lui mobiliser et organiser, dit, à bas kidnapping, et malheureusement, il y a une infiltration qui dit, à bas président, etc. Ça veut dire que, gagner un kidnapping qui ciblé qu'a fait dans des secteurs bien particuliers, c'est des secteurs névralgiques yoyé en dans société. Donc lien capable établi rapidement. Mais ça qui plus important je dis dans classe politique là, même gens en un gouvernement, il y a pile ti Joseph, ti Moïse, ti Pierre, ti Jacques. Faut tout ti ça yo chita ensemble parce que dialogue politique là, accord politique là, c'est pour li, c'est pour yo lié. Nous faut yo transcender dans le sens que faut yo pas quitter gain des mains cap mené yo qui pour imposer yo chita avec ti Moïse qui semblait même Jacques yo pour nous joindre un dénouement avec crise là. Policiers impliqués dans le cas de kidnapping, garde l'enfant. Ma fond précision. Un individu qui est en uniforme, qui va commettre un crime, n'a pas qu'à dire carrément c'est des policiers. Donc, il y a un pile cas, il y a des gens qui ont uniforme de police pour nous faire acte malhonnête. Mais en tant que directeur général de la police, nous admettons, en tant que même si dans tout le pays, il y a des policiers qui choisissent de faire ça malhonnête. Mais dans tout cas, nous n'avons pas qu'à dire que c'est policier. Mais s'il arrive, nous reconnaissons des cas que nous avons traités. Règlement de discipline générale, la police, là, inspection générale et loi pays. Hein, nous prenons les mesures nécessaires pour nous. Tant des policiers en inspection générale, voyez le dossier de la CPJ. Pour finaliser l'enquête et remettre la justice dans le cas avéré que c'est des policiers en uniforme que l'identifier qui ont affectation et qui l'activité qui en service. Pour Cowboy qui t'a impliqué dans l'échange ou du moins dans le tir qui t'a gagné sous la lune hier, m'a profité pour me dire tout le monde, toute population, hein, que le cas d'enlèvement, la meilleure attitude à adopter, c'est d'appeler, de composer le 122. Et la police là, travaille avec vous, même si c'est une situation difficile, même s'il y a plusieurs cas d'enlèvement, nous avons pour responsabilité pour investiguer chaque cas. Mais là, le fait, première réaction, c'est bloquer la rue. Empêcher l'autre citoyen vaquer à l'occupation. La police a dit pour obligation. Moun ka bloqué la rue, prend machine, croisé dans la rue, mettez camion sap dans la rue pendant que moun l'école, moun dans le travail, la police là, il est là pour mettre l'ordre. Et même sous pour ou contre activité de la police là, il faut le mettre dans le temps pour que à 10h du matin, 11h du matin, le moun yo sorti à 5h, 6h du matin, al
vague occupation, nous avons pour obligation pour assurer que route yo qui est sécurité là donc yo tourner la caillou. Nous allons investiguer ça qui passé si c'est vraiment des tirs qui fait des mouns, des citoyens paisibles tombés. Mais généralement, dans la plupart des cas, il ne s'agit pas de citoyens paisibles. C'est des mouns qui sont armés, qui ont bloqué la rue et la police a supposé faire ça pour le faire. Merci.